ata moto amokili akobundela ngate oya kotela kangata er mutunyo soba tunyo soba tikinga pe babua kishinga nzambo ya lola na ekotombola yo yesu sois béni éternel Dieu des grâces car nul n'est semblable à toi nul n'est comme toi Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, merci pour tout ce que tu es. Toi le bon berger, ton étolio, ton commissio. Tango Esaïa yo, pourquoi l'élo Esaïa yo, Yesu. Pourquoi l'élo Esaïa yo, Yesu. Pourquoi l'élo Esaïa yo, to yende ponayo, to yende panayo. To yende panayo, nkolo. To yende ponayo, Yesu. Pourquoi l'élo Esaïa yo, yo Shilo. Shamaraba setedebe. Je bénis ton nom éternel. Je te célèbre quand il est comme toi, Père. Jésus ne change pas. Alléluia. Ne change. Oh, il est mon sauveur. Il est toujours les mêmes. Et Jésus ne change. Oh Jésus, ne changez pas, ne changez pas. Alléluia, Jésus, ne changez pas. Oh, il est mon sauveur, il est toujours les mêmes. Jésus. Oh Jésus, le pain de vie, Jésus, le pain de vie. Alléluia, le pain. Il est mon papa, il est oh, les mêmes. Oh Jésus, la main cachée, Jésus, la main cachée, Alléluia. Osoye mana esengonios. Oh, il est mon sauveur, il est hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Jésus, Jésus, oh Jésus, le prince de paix, Sharabakasaya, oh Alléluia, et il est mon sauveur, il est, oh les mains. Jésus, oh Jésus, m'a libéré. Et il est, je suis dans la joie, m'a libéré. Il est mon papa, il est toujours les mêmes. Oh, Jésus méchant, oh Jésus m'a délivré. Sharabaka Sayaba, oh Jésus dans la joie. Et il m'a donné la vie, il est mon sauveur, il est toujours. Il n'a pas changé, c'est Jésus. Oh Jésus m'a restauré. Oh j'étais abîmé par le péché, il m'a restauré. Il est mon sauveur. Toujours les mains.
Et j'entends Alléluia. Oh, oh, Alléluia. Oh, il est mon sauveur. Il est Jésus, Jésus. Oh, chantons Alléluia. Et Alléluia. Oh, il est mon sauveur. Il est Jésus. Changez pas. Yélélé, je suis dans la joie. Voilà pourquoi j'ai l'acclamé. J'ai poussé des cris de joie. Yélélé, Jésus. Kumo kote ako kanina yo mokote yele ako ka elome nanga ye mokote aya oh Yesu e mokote aya. Nicolo Pena, c'est la moni, mon côté aya. Mon côté a gokani, yé, mon côté aya. Yé, 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 mon côté, oh, mon côté a go. Oh, Yesu, il est le a go. Oh, il n'y a point de Dieu. Yeah, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point, il est le de Dieu. Oh, il n'y a point, Jésus n'a pas. Je le dis encore, il n'y a point, il est le seul, le véritable Dieu. Il n'y a point de Dieu comme mon Jésus. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point, il est le Bombele o Yahweh, bombele o, oh bombele o Yesu, bombele o Yema, bombele o, ah Yahweh, mon susu te bombele o, ah ah ah, chikanga hina yemba bombele o. Yesu nanga Yahweh, oh bobele yo, ay ay ay, na motema na tatoli bobele yo, Yesu nanga, eh bobele yo, Yesu nanga eh, oh inya ke toi, inya ke toi. Dans ma vie, dans ma famille, il n'y a que toi. Oh, yé, lé, 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 lé. Yango na tatoli lelo. Yesu nangaye.
Je le dis encore, il n'y a que toi. Oh, Seigneur, il n'y a que toi. Yélélé. Oh, il n'y a que toi. Hey, hey, il n'y a que toi. Ya, ya. Oh, oh, oh. Yesu bo bele yo he. Ah, bo bele yo. Bo bele yo. Yaya na yembi bo bele yo. Shilo na nga ye. Bo bele yo. Yesu alleluia amen ya na sala lo lendo ya nini na tato alleluia nyo sona zilelo ezali sengolu alleluia amen ya we oh alleluia 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 elilele Alléluia, amen, amen. Na sala fiere pona nini, boti kangana ye mbela ye. Yeso yo, ya, ya, ye, alléluia, amen, amen. Nyon son azana ngole, lo sengolu na yesu, yesu nanga. Ali nganga mingi, ye, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Yélélé, alléluia. Amen. Yesu nanga bande ke likolo ba koye mbela yo. Yesu, alléluia. Amen, amen. Ata kutu banyama na zamba ba kobine la yo Yesu nanga boyonde mokeli na bango he Yango lelo nga pena yembeli yo he Alleluia, alleluia, alleluia Yesu nanga Ilelele, alleluia, amen Aina koku fache na kota tola Monene na yo e a ya e e Ye le 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 ame ya we Yonde li konji li simbi dako Ya we langa ame e li le aleluya ame ya ya Yonde li konzi e simba bomo inanga ya ya Ame aleluya ame ame Oh yonde li konzi li simbi kongo Boka na biso e simba mina yo Aleluya ame ya ya Oh, kumama, yawe, kumama, yawe, kumama, poyo salinjambe. Iye, yawe, kumama, yo zali. Hey, kumama, yawe, kumama, yawe, kumama, poyo salinjambe.
Ton étoile y ole lo, koumama, yawe koumama, yawe koumama. Toi yo bon manite, et il est. Oh yawe koumama, na yo ya ya koumama, le lo papa koumama. Oh yo zali ndambe. Sharabaka sanderebo. Amaboko na biso totombo liyo toneto liyo ya ya kumama boyo obongwa nite ye oh kolo yesu elonga na ngai ye lele e botika nga na kumisa yesu ay 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 bongo maboko na bendela nani chilo nanga pokwa lelo na ye kotombo na yesu lelo yo ya we kochikanga na kumisa yesu oh ya we kolo yesu libanga na talo ye ya ya kolo yesu mo peshi na nyonso chéri ya ya oh lele lele lile malelo yo ya we oh lele lele lile malelo yo ya we oh lele lele lile kumama na yo oh liboso yo pamola ngai nasengi eloko semboko liboso yo pamola ngai nasengi eloko semboko oh nasengi yo kumame ya ya kumama na yo bochikanga na kumisa yesu ye le 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 o le 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 ye le 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 oh mo santu kumame e ya ya kumama na yo mo santu kumame ya ya kumama na yo oh Yahweh, kolo Yesu bika mwana ngai kumama na yo motema na ngana bonzela Yesu Yahweh yo ya ya oh lele lele lile haleluya Yahweh oh lele lele lile haleluya akokani nayo yawe mokote akoka yawe mokote o yawe mokote yawe akoka likolo pena se namoni mokote yawe ya nabomo inanga yawe mokote yawe akoka Yahweh mokote akoka mokili mobimba na moni nzambe oh akokani na yote akokani na kosala bolamu we ezali yo moko yesu we na kolimbisa masumu we na moni mokote aya oh kumama Mama ya we Ku mama na bomo inanga je suis en train de prier. Élève ta voix, parle à ce Jésus. Parle à ce Jésus, parle-lui.
Parlez-lui encore ce soir. Il veut entendre ta voix. Il veut entendre cette voix douce de reconnaissance. Cette voix qui veut lui dire qu'il est le seul. Yes, oh, yeah. Zalaka sekele na bango ba oyo bakenda kalibo soye yonde sekele na bango ba oyo bakenda kalibo soye ya 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 o ya 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 sekele o yanga sekele oh 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 oh. Parle à ton Jésus, parle à ton Jésus. Eh Yesu nani azalo kola yo Yesu. Nani azalo kola yo nkolo. Bolingo aboye na zwa wap. Muta ko linga ngalo kola yo na mokilio. Ako tika la ko zalate. Ezaka ka yondo nzima ko kufela nga mosumuki. Ezaka ka yonde muto nzima. Kotala mabe nanga te me komema mabe nanga afin que ngana koma mosante tikanga na neto la yo pokwa lelo tikanga na kumi sa yo lisusu nzambe nzambe bolingwa boy na zwa wap esengwa boy na koyoka ngo wap nani amokila ko pesa nga esengo yo pesa kanga nani amokila ko bate alokola yo batela nani amokila ko bundela nga lokola yo bundela kanga Yesu. Yango na zot kumi sa yo po kwa lelo. Yango na zone to la yo po kwa lelo. Yesu parle à ton Dieu bien-aimé. Oye ko bondela, oye ko tala moutoute. Soit position à ma lame. Mais à la sur ko za concentré. Ko za ko solo lana. Oye mote manayo e pona. Oye mote manayo e linga. Eh 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 ah, ah, eh. Bomo inanga boba oyo makenda kalimboso yozalaka sekele na bango ba oyo basambela pe bamona bikamwa yone sekele na bango bikombo yo masimba bana e yonde sekele na bango. Célibataire, yo yo pesa mabala yo nde sekele na bango ba chomero yo ya ya yo pesa misala yo nde sekele na bango ba oyo bakufa lobi ya ya yo pesa lise kwa ye yo nde sekele na bango. Basumu ki oyo lelo, bakoma basalina yo. Yonde sekele na bango, na sengi ya ya Yesu eh. Koma yanga pe sekele, na leli ya ya Yesu eh. Koma yanga pe sekele oh, ya ya sekele oh. Yanga sekele o oh. Ye sekele o oh. Ilombe nanga sekele eh. Yawe o oh. Namoni mo kote eh. Oya ko kani na yo namoni mo kote yawe oya ko
kanina yo sharaba ya ba santa la ba 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 kera ba 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 shanda da 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 ba saya mana na 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 ma shande de de be dambo yo ninganga minge béni sois-tu Jésus. Je ne sais pas quoi te dire ce soir. Je ne sais quoi te dire ce soir. Tu es au-dessus et au-delà de tout. Mes yeux ne t'ont pas vu, mais mon cœur sait que tu existes. Mes yeux ne t'ont pas vu, mais mon cœur croit en toi. Je sais que tu existes. La nature me montre et me prouve qu'il y a un Dieu. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Les noms de Jésus, nous sommes en train d'adorer le roi de rois. Yahweh, nous sommes en train d'élever les noms de Jésus bien-aimé. Kofanda kimiate, zala su kozo tombo la yeso. Yo apesio bomo, yo apesio. Ozala o, ozale loko ma o komi lelo. Ezakaka yeso. Shabarabasa yamande debe. Ezekele. Quelle joie d'être dans ta présence. Quelle joie de savoir que je t'appartiens. Quelle joie de savoir que tu es mon Seigneur et mon Maître. Je te bénis, Seigneur Dieu des gars. Je te célèbre encore ce soir, Jésus. Ce soir, solo à l'anzam, tombolaye, goumisaye, goumisanzam, tozanyo soyamo, tuyananga, ozanangwende, namote mananga, tepanayo, manache, motema, yesundeli zibananga, et parle à ton Dieu, charama yaba yaba, mandaraba satelebe.
Nanya za lokola yo Yesu. Nanya pambola kalokola yo Yesu. Esengo na zana ngwe zake Yesu. Azanzambe nanga. Yesu akoma tata nanga. Atamokili epimelinga bomen. Atamokili epimelinga ba poste. Atamokili epimelinga ba position moko kelkon. O na yebi yete kombo nange komama na buku abomoy. O na yebi yete na kota na libota bana nzamba. O na yebi yete liwa wana siamo kileko eko siri sa vina ngate memo kola suki molimo nange komat nzoto nange kosekwa pena kozale longo na tata nesika o yesengo nesika o kimia ezali nesika o pasi ezala kate nzamba lol esengo nanga ezate na yebi ke naza na fami pwese na siala mokili me esengo nanga ezake na yebi naza na libota na yo naza mwana na yo miso na weza likolo nanga loboko na weza likolo nanga merci po yonde héritage toko chik merci po yonde héritage o batike la biso héritage o to sepe la koyamba héritage o to sepe la kosale la héritage o to zima na mitema yonde tozo sale la nkolo yonde to pesa nyos yonde to bonze la nyos nzambe bolenga na biso to pesa nango yo Yesu poto yebi ke toko regreta ka jamais. Le fait ya ko appartenir na yo, le fait ya ko pesa onyo son abiso, toza na esengwa ko sale la yo, toza na esengwa ko gumba me la yo, to chiki nyo son zan, to ye a, bona ko kumi sa yo, baya mokili, ba kepe ko luka esengo, na nenge na bango, me abiso esengo to yebi, ke zaka ke pana yo, ke abiso kimia to yebi, ke zaka ke pana yo, zambalola. Kumisama, netolama, sandolama, motemananga, mabandonanga, ezo kumisayo, ezo netolayo Yesu, boyondo zanzambe, boyonde mokeli na nyoso, boyonde mobateli malamu, boyonde mobundi molongi, boyondo fandi na glola, boyondo simbi bomonanga na nguya loboko na yo, boyondo zo talanga, miso na yo zo talanga, atatango na zo lala, naza inconscient na ebi elo kote, mena ebi yona lolo fandi, pe miso na yo zo talanga, ta parole me dit que ton ange campe autour de ceux qui te craignent et les arrache du danger. Merci pour yozo campé. Au moment où on a nazo lala nazo pema. Kasi yozo baluka baluka. Kasi yozo talanga. Kasi yozo simba bomoinanga. Kasi yozo batelanga. Kasi yozo kundelanga. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. C'est Jésus marche avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce demeureront avec moi. Oui, le bonheur et la grâce seront mon partage. Parce que le Dieu puissant et fort, le Dieu grand, a décidé de devenir mon bon berger et de faire de moi une de ses brebis. Tu dis que le bon berger est capable de laisser 99 brebis pour poursuivre une seule qui s'est perdue. Merci pour yonde, mouto lukangai, na mokila masumo, na bunga ki de janzela, na yeba ki koutoute ke yo existaka, na yeba ki koutoute ke nzela ezala ki, capable ya ko zongi sanga na lola, me yo o chiki lola, o kititi na se, o tandi loboko, pe o zwinga, me po o zwanga, il fallait prix ezala paye, onzimi pe ko paye prix wana, ya ko koufa na ekulusu, o zala imilie, ba krashe sur yo, ba finga yo, ba beta yo loko la nyama, onzimi ango Yesu, nyoso wana, ponga na bika, ponga lelo, na koma mwana na yo, ponga lelo, kombo nange koma manabu kwa bomo, ponga lelo, na koma pemo sali na yo, eza privilege, na zuye pa na yo, yango chika na neto la yo, yango chika na kumisa yo, yango chika na sanjo la yo, yango chika na leve yo, yango chika na kumisa yo Yesu, ki e kome toa Jezu, ki e kome toa Jezu, ki e kome toa o etane, qui est comme toi, Yesu? Qui est comme toi, éternel Dieu? Boyosa nyoso, yamotu yananga, yosa nangwende, namotema nanga, epaina yo, ngana tie motema e, yonde liziba nanga e, yosa nyoso, yamotu yananga, yofandi nangwende, nakacha motema nanga.
Et pas na yo, nana tie motema. Jésus, Jésus qui est semblable à toi. Bien aimé, continue à élever ce Jésus. Bien aimé, continue à l'élever. Tozana nzambe mosusute. Shamara baba 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 baba. Il est le meilleur, le véritable Dieu. Il est le roi des rois, le prince de paix. Il est le Seigneur et le sauveur de toute la terre. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il a dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a point un autre nom par lequel le monde peut être sauvé, si ce n'est que le nom de Jésus. Shamaya baba baba baba. Sois béni éternel Dieu. Sois célébré Jésus. Wenena yo babundisa kangote o. Wenena yo ebanga rebellion te. Wenena yo etatabana kate o. Wenena yo ekweisa makate. Descends va sur le trône et me rassure Seigneur. Surtout na yebi ofandi kaka po yamba ma san joli nangate. Kasi ofanda pe po katama kambo nangako. Mingi mingi na yebi ozalaka na kaya basante. Yango soki mokile kozala na besoin ya avina. Et souhaite que le trône soit toujours occupé par Jésus. Par Jésus, Jésus. Ya yo fandi na kiti ya bokonzi na yo. Ya yo fandi na kiti ya bokonzi na yo. Elombe masi yo fandi na kiti ya bokonzi na yo. Oh papa elombo fandi na ngwende ya bokonzi na yo papa na ngo fandi na kiti ya bokonzi na yo yo fandi o fandi na kiti papa yo fandi. Alegina yo ya 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 Masi ofande ya bokonzi na yo ya ya papa ofande pelombe na nga jikala nzambe chilo yo fande oh Yesu we na ngwende na yo Kumi sanzambo zone tola ye Oya fandi na ngwende na ye Nani abundisa nani alongola ye na ngwende na ye Afayo bota ma ngwende wanezala Oye na mokili ngwende waneza Oko chika pe mokili Oko kuteka na ngwende na ye Nzambo ya kelamate Nzambo toyebite Auta wapi Metoyebi kaka a existaka Ki ese Dieu Ki na point ete kreye Ki ese Dieu Ki na ni commencement ni fin Qui est ce Dieu qui n'a ni commencement ni fin? Jésus, le maître de toutes choses. Jésus, le roi de l'univers. La terre entière reconnaît que c'est Jésus qui est le maître. Que c'est Jésus qui est le Seigneur de tout. Est-ce que nous avons mérité pourquoi les lots? On continue à faire On continue à nettoyer. On continue à s'enjoler. On continue à faire Que nous sommes compte. Que nous sommes saints. Que mon sous le col aille à saté. Continue à élever ce Dieu. Continue à adorer ce Jésus. Continue à célébrer ce Dieu. Je te bénis, ô éternel. Je te loue, ô Dieu de gloire. Continue à parler à Dieu. Jésus, qui est comme toi le roi des rois.
Comme toi éternel, qui est comme toi roi de roi, qui est comme toi mon Dieu, qui est semblable à toi Jésus, qui est comme toi Jésus, t'es magnifique Dieu c'est toi, nous sommes dans les véritables, en Jésus-Christ le Dieu véritable et la vie éternelle, merci de m'avoir choisi, merci d'avoir fait de moi ton enfant, merci de m'avoir fait de moi ton co-héritier, merci d'avoir écrit mon inscrit mon nom dans les livres de vie, merci de m'avoir ressuscité d'entre les morts, merci de m'avoir sauvé de mon péché. Merci de m'avoir accordé l'opportunité d'être ton serviteur. Merci de m'avoir fait grâce de continuer à vivre, de continuer à respirer jusqu'à ces instants. Baoba kufito le kinanin, baoba kufito le kinanin, Yesu, eza sengolu, golu tozu epanayo, golu si tozu epanayo, Yesu. Nous te bénissons, éternel Dieu des gars. Nous te bénissons, éternel Dieu des gars. Shanana mande le bara, manana mande le baya mande, na 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 na. Ramane de Bache dans la main. Ya 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 Jésus, les noms
papa. Oh papa, ngaina linga kayo. Yo koma nyo sona ngaye Yosa bole Elikia e nangana chela na yo Yosa bole Motema e nangana pesa na yo Yosa bole Nyo soya ngaya ya Yesu e koma ya yo Yosa Como inanga esi eko maya yo Na sala kina molili ya ya yo ya kongengi sanga Bituma e voilà kinga ya ya yo ya kongengi sanga Nazala kimo kufi o yako se kuisanga e Nazala ki o babu akisa o yako loko tanga e Nazala ki o babu akisa na bato o yako loko tanga e Nazala ka oyo bazonzi melate yo kwa sonzi manga iya ya e Nazala ki moto bazo pe sa place te kasi yo me manga nanda kona yo e Yesu yo zali pole nanga Hey Yesu Masia yo koma pole nanga e Oh la mi fidèle c'est Jésus. L'agneau de Dieu c'est Jésus. Oh Jésus, c'est toi qui m'as sauvé, m'a donné la paix. Ce qui n'a pas mis boye, et ça c'est bon à Jésus. Ce qui n'a pas mis boye, et ça c'est bon à Jésus. Ce qui n'a pas copé ma, et ça c'est goluna. Ce qui m'a quitté, et bien à l'élo, et ça c'est goluna. Ce qui n'a pas mon sala, et ça c'est goluna. Ce qui n'a pas si sa que la si, et ça c'est goluna. Ce qui n'a pas li bala, et ça c'est goluna. Ce qui n'a zopé mal et l'eau, et ça c'est goluna. Oh yo na komi lelo eza sengo luna yo Yosa pole Yemba yosa li pole langa Yosa pole langa Yemba yosa li pole langa Yosa pole langa Oh yosa li pole langa Yosa La
kebele papa na la langwe na langwe Sibolingo na yo e aya na langwe lo lango chika na yema na langwe aya aya na langwe lo lango Moko mololo mololo kona loku Iya ya moki nezo comprendre te Maka monazo senti na katia mote mananga Eza sebolingo oyo yesu asopana mote mananga Iye ye Na langwe lolango na yo ya ya Bolingwa mote mananga e, bolingwa mote mananga e, bolingwa mote mananga e, bolingwa mote mananga, bolingwa mote mananga. Bolingwa mote mananga sharabaya Bolingwa mote mananga Bolingwa mote mananga Ola kwisa ngomoi nanga Bolingwa mote mananga Nani yango asalokola yo Bolingwa mote mananga 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 La parole de Dieu est en train de nous dire que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par son esprit. Commence à désirer le Saint-Esprit afin qu'il remplisse ton cœur de l'amour de Dieu. Élève ta voix, commence à dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi encore de toi. Remplis-moi de cet amour, remplis-moi de cet amour, remplis-moi de toi, remplis-moi Saint-Esprit afin que je marche. Afin que je sois conduit, afin que je fasse toutes choses selon ton esprit, selon ta parole, selon ta volonté. Élève ta voix, commence à dire à Dieu, ton disanga, pourquoi lelo? J'ai encore plus de besoin de toi, j'ai encore soif de toi. Yebisanzambe, ayako tondisa, mobimba na yo. Yebisanzambe, ayako tondisa yo. Nabolingo oyo, kaka molimo santu, ndako kiko sopa, nakacha mitema. Yabiso baeto pesa enyoso na biso. Yebisanzambe, tondisa nga pokwa lelo. Élève ta voix bien aimé, sois en train de désirer encore la plénitude de l'esprit. La Bible dit ne vous enivrez pas du vin. Car c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Parle, parle à Dieu. Désire encore qu'il te remplisse de lui. À Dieu de remplir son église. Yebisanzamba tondi sa église au Mobimba. Une église n'est pas celle d'abord une maison construite des mains des hommes. Une église, c'est cette maison où la présence de Dieu est en train de régner.
Une église n'est pas d'abord les chaises qui sont à l'intérieur. Une église, ce n'est pas d'abord les caméras, les micros. Une église, c'est d'abord la présence de Dieu dans cette maison. Est-ce que tu peux te lever là où tu es et demander à Dieu de remplir son église? Il y a tellement de l'espace. Je ne veux pas que tu sois coincé là où tu es. Sois debout, sois en train de marcher, sois en train de prier. Que l'Esprit se répande encore sur nous. Que l'Esprit se répande encore dans ta maison. Que l'Esprit se répande encore dans ton être. Que tout en toi et tout de toi soit soumis au Saint-Esprit. Élève ta voix, bien-aimé. Ozotambolo, ozobondela, ozoebisanza. Atondisayo, 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 atondisayo. Remplis-moi de toi. Bien-aimé, batam okili va comprendre que pour régner, il faut que spirituellement, mon lit, mon moko akamba bango. Batam okili va comprendre que pour baza na autorité, l'icolé a batu misusu. Il faut que mon lit, mon moko, eza l'icolo na bango. Yango ba ke pa banganga. Yango ba ke na ba loge. Parce que va comprendre que moutou ako domine te, moutou ako régner te, ce qui mon lit, mon moko te, eza l'icolo na ye. Mais avantage gana yo to zwa, te ke molimo santu, yaza molimo, o ale ki milimo nyoso, nanguya pe na makasi, ke molimo santu, yene molimo, o ya asala, uta mokili e banda, molimo santu, yene molimo, o asa capable, pas seulement, yako sunga yo, o renye awana mokili, mais même kuna na lola, molimo santu, ako mema yo, o renye longo na yesu, esoko ebisa molimo santu, na lingi na mokili yo, na tondi sama na yo, na tambo la ngamo kote, na tambo la pamba te, me na tondi sama, na lingi ete na eklesia oyo, molimo na yo atondi sa eklesia oyo, ebele bazo ya awa, na bikumba, na ba problem, baza na posa, non pe ako kuta na nabato, non pe ako kuta na na o eklizo etonga etia, mais kokuta na na yo, le Dieu invisible, mais capable de produire les choses invisibles. Nous t'élevons, nous t'appelons éternel Dieu, nous t'appelons ô Dieu, nous t'appelons éternel Dieu, nous t'appelons éternel Dieu, nous t'appelons éternel Dieu, nous t'appelons ô Dieu, nous t'invitons, nous t'invoquons, nous t'invitons, viens, viens en ce lieu, viens remplir nos vies, viens remplir nos vies, viens remplir nos vies. Viens remplir nos vies, éternel Dieu de grâce. Viens remplir nos vies. Viens remplir nos vies, Jésus. Tambe onde mobikisi. O kelili kolonase. Tala monguna luki. O bebi samokilo yo. Batwa maladi pe pasi. Baluki ko zwa lobiko nazangelo kwa ko pesa selo sambo jambe onde mobikisi okelili kolona se tala monguna aluki. Go baby sa mokilo yo, batwa maladi pe pasi, baluki ko zwa lobiko, na zangelo kwa ko pesa, selo sambo, yaka molimo, yaka molimo. Mona Zambe Sopana Sopana Katina
Yengisa. Yengisa ba. Salina. Salina yo ya ya. Neto la kombona. Yesu. Salaba be. Bika moi katina biso Tandaloboko nanguya Nakombo na yo Oh ya kamolimo Tanda lobo kona nguya Nakombo na yo Oyemi akamolimo Yakamolimo Que cela soit ta prière cette soir Yahweh Sopanaka Asopanaka tina biso Biso Yehi 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 saba Sali Les celles qui s'est glorifié le nom de Jésus. Salaba beliba, bika moi, katina biso, tanda lobo kona nguya. Répands ta gloire, Seigneur. Répands ta gloire, Jésus. Répands ta gloire. Répands ta gloire sur nous. Répands ta gloire. Répands ton onction. Répands ton huile sur nous. Répands ton huile sur nous ce soir. Répands ton huile sur nous, Jésus. Répands ton huile ce soir. Dans le nom de Jésus. Répands ton huile ce soir. Répands ton huile ce soir. Une église est forte. Et celle qui est remplie de ton esprit, une église puissante, éveillée et réveillée, et celle qui est remplie de ton esprit, une vie chrétienne d'influence, et celle qui est remplie de ton esprit. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu. Merci de nous remplir. Au nom de Jésus-Christ. Sharama Sayamande Debosha. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Parce que tu nous remplis ce soir. Dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous t'acclamons très fort. Nous poussons les cris de joie. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Alléluia.
Nous allons continuer dans la prière, mais avant cela, j'aimerais d'abord nous donner une petite exhortation qui cadre avec les thèmes du mois, devenir pêcheur d'hommes. Nous allons prier pour l'évangile, nous allons prier pour l'évangélisation. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Matthieu 4, 17 à 19. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19, je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André qui jetaient un filet dans les lacs. C'était en effet des pêcheurs. Romains chapitre 1, 15 à 16. Romains chapitre 1, 15 à 16. Romains chapitre 1, 15 à 16. J'ai lu au nom du Seigneur. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Finissons avec Romains chapitre 10. Uniquement les versets 14. Romains chapitre 10, verset 14. La Bible dit, mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Alléluia. Devenir pêcheur d'hommes en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes pendant ces mois où nous sommes en train de nous rappeler d'une mission que le Seigneur nous a confiée, une mission que Dieu a donnée à chacun de nous. Si du moins nous reconnaissons qu'un jour nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus, il y a une mission qui est attachée à notre appel, celle d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Une mission qui est attachée à la vie de chacun de nous, c'est de faire des disciples, d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle aux autres, afin que les autres aussi nous rejoignent dans cette grande famille d'enfants de Dieu. Je me suis mis à réfléchir sur quelques difficultés que nous rencontrons des fois quand nous parlons de l'évangélisation. Vous savez, on sait qu'on doit évangéliser, mais qu'est-ce que nous remarquons, c'est que nous ne sentons pas une église ou nous ne sentons pas dans l'église cette aptitude, cette réponse directe à cet appel de Dieu pour que nous puissions tout un chacun de nous devenir un évangéliste, devenir cet évangéliste que Dieu attend de nous. Alléluia. Pour aller vite, je n'ai pris que trois difficultés que nous rencontrons. Je vais donner quelques remèdes par rapport à ces difficultés, mais surtout, nous allons prier parce que c'est un mois où c'est le mois au cours duquel nous voulons gagner des âmes pour le Seigneur. Amen, amen. Qui est prêt à dire à Jésus, pour toi je vais gagner des âmes? Qui est prêt à dire cela à Dieu? Qui est prêt à faire cela pour Dieu? Alléluia. Je relève trois soucis que nous rencontrons souvent dans l'église en ce qui concerne l'évangélisation. Le premier souci, c'est que nous avons parmi nous dans l'église l'existence des chrétiens qui malheureusement ne ressentent pas les soucis de pouvoir gagner les âmes. Ils savent qu'il faut gagner les âmes. Ils savent qu'ils doivent évangéliser, apporter la bonne nouvelle. Mais jamais ils n'ont ressenti en eux ces soucis de partager la parole de Dieu. Il y a de ceux même quand on prêche, depuis le dimanche, on est en train de parler. Mais chaque fois qu'ils se réveillent le matin, ceux qui abîment, ata à se rendre compte que autour naie ezana bato ba ebi esouté même azana opportunité pe yako panza sango malamu yako lobela yesu na ba o ba ebi été mais na motema na yazo sentir te souci wana empressement wana yako annoncer le banzam. Alléluia. On a malheureusement des chrétiens qui sont comme ça, qui souffrent de ces problèmes.
Et de plus en plus, ces ailes, ce feu qui devrait nous pousser à gagner les âmes, de plus en plus, ce feu s'est éteint dans les cœurs de plusieurs. Bien-aimés, je crois que, ou je suis de ceux qui croient qu'il est difficile de faire une œuvre pour Dieu si on n'est pas zélé, si on ne ressent pas le poids de cette œuvre. Alléluia. Et ça passe si moto c'est la nzambe. Et ça passe si mon moto a kende ko c'est la nzambe loko moko soki na motema na ye azo sentir besoin on a te ko c'est la nzambe. Alléluia. La première difficulté c'est cela, c'est que nous rencontrons parmi nous de ceux qui ne ressentent même pas les soucis, les besoins de gagner les âmes, les besoins d'annoncer l'évangile. C'est dans leur cœur ça n'a jamais été leur préoccupation. Dans leur cœur, ils n'ont jamais ressenti ces besoins. Ils se réveillent, ils ont besoin de beaucoup de choses, avoir l'argent, gagner la vie, se marier pour nous les célibataires, gagner encore plus d'argent. C'est tout ce qui motive leur cœur. Mais qu'est-ce qu'ils sentir besoin à quoi annoncer l'évangile et belé katinabiso pour ça on les a sauter. Alléluia. Et c'est ça le premier problème. J'aimerais dire trois choses pour remédier à ces problèmes. La première des choses, toi qui as remarqué que tu ne ressens pas ces problèmes, une des choses qui va te motiver, c'est lorsque tu te rappelles que pour l'ilobanzambe koma epanayo, ils ont un motomoko. Oh, katinaye, a senti qu'il a besoin de quoi annoncer l'ilobanzambe. Ne l'ilobane koma epanayo. Alléluia. Et pour que l'ilobane, on appelle l'ongo epanayo qui n'est pas bamoussousou. Il faut payer au pays. Ozala na sentiment wana, ozala na esengo wana, ya ko annoncer l'obanzam. Si une autre personne n'avait pas ressenti le fardeau de pouvoir te prêcher la parole de Dieu, tu n'allais pas être sauvé. Alléluia. Tu n'allais pas être sauvé. Tu es sauvé parce qu'un autre a ressenti ses besoins. Deuxième chose, l'Église doit se rappeler que si nous sommes encore ici sur terre, si Dieu n'a pas encore détruit ce monde, c'est parce qu'il veut que l'évangile atteigne un plus grand nombre de personnes. Dieu ne détruit pas le monde parce que toi, tu ne t'es pas encore marié. Dieu ne détruit pas le monde parce qu'il attend que vision na oanez ala rokoma homme d'affaires riche et kokisama. Dieu ne détruit pas le monde d'abord à cause de ça. Dieu veut sauver un plus grand nombre. Et donc, tant que toi, tu es là assis, tu ne veux pas que cet évangile puisse s'étendre, tu empêches à Dieu d'accomplir sa volonté, c'est qu'un plus grand nombre soit sauvé. Je prie au nom de Jésus que pendant que je suis en train de parler, que le Saint-Esprit ramène encore cette joie de pouvoir annoncer l'évangile, ces ailes de pouvoir annoncer l'évangile, cette capacité, ces sentiments ardents qui peuvent te pousser à dire non, je dois être un canal de bénédiction pour les autres. Alléluia. La dernière des choses, bien-aimés, pour remédier à toi qui ne ressens pas les besoins d'annoncer l'évangile, c'est que tu dois commencer à prier pour les saluts des autres. Il est difficile d'évangéliser si tu ne pries jamais pour que les autres soient sauvés. Le Saint-Esprit va répandre ses sentiments dans ton cœur quand tu vas commencer à prier pour le salut, quand tu vas commencer à prier afin que Dieu puisse sauver les autres. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit va répandre cela. Puisque tu ne pries même pas pour le salut des autres, puisque tu n'as même pas le temps de demander à Dieu de sauver les autres, comment est-ce que l'Esprit va répandre ces sentiments en toi, ces désirs en toi, de pouvoir être le canal par lequel Dieu va passer enfin de sauver les autres. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu répande ces sentiments dans ton cœur. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit te mette mal à l'aise et que tu te dises, si je suis sauvé, c'est pour que moi aussi je puisse sauver les autres. Si j'ai été sauvé un jour, c'est pour que par moi, les autres aussi soient sauvés. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième problème, c'est que nous avons une deuxième catégorie de personnes. C'est que ces personnes, elles sentent les besoins d'annoncer l'évangile. Elles sentent vraiment. Sentir qu'il faut pas annoncer l'évangile. Il faut pas panza sango malam. Mais ils ne savent pas comment annoncer l'évangile. Alléluia. Ils se disent comment je vais commencer. Bate ara nenge, ba annoncer ilobanza menenge. Il y en a qui ils sentent les besoins d'annoncer, mais ils ne savent pas comment le faire. Ils savent que
Si je laisse mon frère dans son péché, il va mourir, il ira en enfer. D'où je dois le sauver? Mais comment je dois le faire? C'est là le deuxième souci que nous rencontrons. Une catégorie de personnes qui ne savent pas. Je vais aussi t'aider ce soir en te disant quatre choses. La première des choses pour toi qui ne sais pas comment évangéliser, comment annoncer la bonne nouvelle, la première des choses que tu dois changer, c'est que tu dois cesser de croire que pour annoncer l'évangile, il n'y a qu'une seule méthode. Alléluia. Tu dois cesser de croire que Paul Ilobanzambe était à Mesara na méthode moko, c'est-à-dire au Bimi, au Telemi, au Moni Mutazoleka, Ndekonangai, Kolo Alingio. Plusieurs pensent qu'ils deviendront évangélistes ou ils annonceront la parole de Dieu ou ils annonceront l'évangile de Christ et que lorsqu'ils sortiront, ils frapperont à la porte des gens et c'est en ce moment-là qu'on va les appeler évangélistes ou c'est en ce moment-là qu'ils vont accomplir cette œuvre. Dieu m'envoie te dire qu'il n'y a pas qu'une seule méthode. Dieu me dit de te dire même ton comportement peut être un message pour l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même ton comportement seulement peut être un message pour les autres. Tu n'as pas besoin d'avoir une seule méthode. Dieu peut t'utiliser de plusieurs manières pourvu que tu sois disponible et que tu dises à Dieu, Seigneur, je sens ces sentiments monter en moi, mais je ne sais pas comment faire. Toi, utilise-moi. Dieu va t'inspirer la méthode qu'il faudra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va t'inspirer comment le faire. Plusieurs, nous n'avons pas été sauvés seulement parce que quelqu'un est venu frapper à notre porte. L'évangile peut se répandre de plusieurs manières, car Dieu n'est pas limité dans une méthode quelconque. Alléluia. Deuxième chose, tu dois cesser de croire que c'est par tes efforts que les gens seront sauvés. Alléluia. Tu connais quelqu'un qui est tellement perdu, tellement plongé dans le mal, que tu es convaincu que « yé attention à teye arondimate ». Donc, yo moroza convaincu que ce n'est pas teye. Parce que tu crois que c'est par ta force que le cœur d'un homme peut quitter du royaume des ténèbres vers la lumière. Bien aimé, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrête de croire que ce travail s'est fait par ta force. C'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a une sœur de notre église, elle est actuellement monitrice, elle me raconte un jour. Elle voit un frère à l'église, à la fin du culte, venir vers elle, la saluer. Il dit, est-ce que tu me connais? La sœur dit, non, je ne te connais pas. Il dit, j'habite le même quartier que toi, je suis pratiquement la même avenue. Sœur Rabbi, ah, mais Nazoué Baro Pendate Rabbi, bon, pourquoi tu es venu à l'église et tout ça? Alors il dit, je suis venu à l'église, au fait, parce que j'ai toujours l'habitude de t'observer comment tous les jours, tu te réveilles chaque dimanche, chaque mercredi. Tu vas à l'église et j'observe ton comportement ici dans les quartiers. Et à cause de cela, je me suis dit, comment peut ressembler l'église au Ser ou à Sambela? Ce qui a un comportement malam ou boy, c'est que si Sambela rapéza, malam, alors je dois partir. Ce frère est venu à l'église pas parce qu'on l'avait prêché, mais il est venu parce qu'il a seulement observé un comportement. Sur l'avenue, il a vu que quelqu'un était différent des autres. Bien-aimé, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Je sais que tu veux amasser. Quand je parle de telles choses, les gens sont calmes et ils aiment trop la bénédiction. On va parler de ces choses. Amen. C'est important. Autant que tu cherches à amasser de l'argent, à amasser tout ce que tu cherches, cherche aussi à amasser des âmes. Cherche aussi à gagner des âmes. Que oyeba que anesili, j'ai aussi gagné des âmes. Mais sache que ce n'est pas par ta force. Alléluia. Troisième chose, il faut accorder du temps pour apprendre. Amen, amen. Il faut apprendre. Apprendre veut dire lire la parole de Dieu. Apprendre veut dire écouter. Apprendre veut dire s'informer. Apprendre veut dire chercher le moyen. Comment on fait? Alléluia. Comment certains ont cette facilité d'aller, d'approcher, d'aborder? Tu peux aussi apprendre ça. Mais plusieurs, nous ne prenons pas le temps d'apprendre. Nous ne questionnons pas les aînés, nous ne questionnons pas ceux qui sont aînés dans la foi pour leur demander comment moi aussi je peux faire ça. Comment moi aussi dans le milieu où je suis, je peux aussi être un canal de bénédiction. Je peux aussi annoncer l'évangile là où je suis. Cherche à apprendre comment faire. Et par l'aide du Saint-Esprit, tu arriveras. Alléluia. Et la dernière des choses, décide d'entrer en action.
Amen, amen. Ebele, ezana ngote o ba yebite, me ko banga. Alléluia. Ko, on a peur. On a peur. À peine tu vois seulement les frères à qui tu as prévu annoncer la parole, mais dès qu'on pousse, tu sens une peur monter dans ton cœur. Et puis tu dis, ah, to solara à l'obi. Et au finish, je me rappelle, c'est plus l'année, nous avons organisé une descente évangélique. Moi, j'étais dans l'équipe des papas bienvenus. Tokomia, on a Phoenix. Alors, pendant qu'on était là, on a vu un frère. Il était en train de... Non, il était assis. Et à côté, il y a un autre qui était en train de fumer. Quand nous sommes partis vers celui qui était assis, nous avons commencé à lui parler. Il nous a dit, non, Tokoko, t'en habitons dans le pan, comme ça, tout cela bien. N'a pas Sabino Bakit. Nous sommes entrés. Et pendant qu'on était en train d'échanger avec le frère, c'est lui qu'on avait laissé à l'extérieur en train de fumer. Oh, Abaner Ofan n'a peine à l'oupangouana. Lui aussi, il est entré. Il a fait quelques tours et après nous sommes ressortis pour être à l'extérieur. Il est venu aussi écouter. Mais au lieu d'écouter, il a commencé à se chamailler avec Oh, Bissot Abaner Otea. Abandi qu'on critiquait. Yo, pozo, kailo banja, maza n'a aventuré, bote a été. Alors, ils ont commencé à s'échapper. Ça fait qu'on ne savait plus vraiment. Et ça devenait vraiment un moment bizarre. Ils commençaient à s'insulter entre eux. Et nous, on était là en train d'observer. Alors, pendant que cela se faisait, j'ai senti fortement dans mon cœur que je devais aussi appeler cet autre-là pour lui annoncer l'évangile en ce moment-là. Mais comme il y avait tout ça, j'ai hésité. Je l'ai senti plusieurs fois, mais j'ai hésité. Et sauf qu'on est resté seulement avec... Et puis nous sommes partis. La semaine après, nous avons fait une descente évangélique à Avenue Moussous. La troisième semaine, je pose la question à Papa Bienvenu. Est-ce que vous êtes rentré et pas frère Oto à Nosagi Iloba comme cela au même église? Dès que je lui dis, il me dit, ah oui, 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 non, na kende comme on a aimé, quand on a commis, on apprend que au moins on a wana ya ki pour banako tungisa wana. Oui. Trois jours, je pense après, Bakuti a koufi, Nassimalou, Yandak. Bayeka Bakuti a koufi. Je vous dis, quand il a dit ça, je me suis automatiquement rappelé du sentiment que j'avais dans mon cœur de pouvoir lui parler de Christ. Et je me suis repenti. J'ai senti très mal. Dieu voulait le sauver à quelques jours de sa mort. Donc tout ce qui se faisait là, peut-être que Dieu savait que nous avons quitté l'Ista, peut-être c'était pour lui principalement. Car quelques jours après, il allait faire quoi? Il allait mourir. Mais nous nous sommes laissés. Et j'ai étouffé ce que j'ai ressenti en moi. Et je me suis repenti. Je crois que Dieu m'a pardonné. Bien-aimé, tu n'as aucune idée de combien tu peux faire échapper plusieurs de la mort éternelle pour les amener à la vie éternelle. Entre en action. Arrête de reporter. Arrête de croire que voilà, il faut... Non. Même c'est un texte biblique. Tu n'as pas besoin aux quatre lois. Non. Même un texte que tu comprends bien. Yamukie wana annonce. Peut-être tu ne sais pas que Dieu a déjà préparé son cœur pour écouter la parole. Je prie que l'Église s'élève. Je prie que chacun de nous entre en action et que nous puissions être excellents. Alléluia. La dernière difficulté pour prier, c'est que nous avons dans l'Église l'existence d'un peuple qui ne sait plus attirer le monde par l'excellence et le sérieux avec lesquels il sert le Seigneur. Je répète, on n'a plus dans l'Église, on n'a plus au milieu de nous un peuple capable d'attirer le monde par l'excellence et le sérieux que nous avons dans notre façon de servir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que nous gagnons, c'est pour les attirer où? N'est-ce pas à l'église? Mais la grande question, quand ils arrivent à l'église, est-ce qu'ils trouvent là des gens qui travaillent avec excellence et avec sérieux? Bien-aimé, il est difficile de demander à celui qui vient à peine de croire en Christ, de commencer à croire aux choses auxquelles toi tu crois pendant que tu as fait plusieurs années avec le Seigneur.
Quand toi, tu viens à l'église, tu ne te préoccupes plus peut-être de la chaise et tout. Toi, tu te préoccupes de ce qui est beaucoup plus primordial parce que tu as grandi avec Dieu. Mais celui qui est encore novice, Ayesika, il veut au moins observer ce qui se passe. Et laissez-moi vous dire, les sérieux avec lesquels vous faites l'œuvre de Dieu va attirer le monde. L'excellence que nous cherchons à faire l'œuvre de Dieu, ça va attirer. La grande question, c'est est-ce que nous servons encore Dieu avec sérieux? Est-ce que nous recherchons l'excellence dans ce que nous faisons? Des fois, quand nous observons la façon dont nous servons Dieu, nous nous posons la question, est-ce que cela peut encore attirer le monde? L'Église primitive était tellement sérieuse dans ce qu'elle était en train de faire que le monde ne pouvait qu'être attiré. Alléluia. Que le monde ne pouvait qu'être attiré. Je m'adresse à tous les actifs de notre Église, actifs et actives. Mets-tu du sérieux dans ce que tu fais? Est-ce que quand tu travailles pour Dieu, tu te dis que le travail, l'œuvre que je suis en train de faire doit attirer ceux qui ne sont pas encore en Christ? Est-ce que tu travailles dans le but réellement d'être excellent afin que les autres se sentent attirés par ce que tu fais? Alléluia. Est-ce que quand tu viens chanter, est-ce que quand on te met à la modération, est-ce que quand tu as l'évangélisation, est-ce que quand tu es moniteur, est-ce que quand tu as la communication, aux autres soit image, aux autres soit vidéo, est-ce que tu arranges ça, aux autres monter en haut bien, pour que ce montage-là ait permettre mutayo ka son bien, aye banzambe. Est-ce que quand tu te places là en tant que protocole, tu les fais dans le but vraiment d'attirer celui qui est venu? Est-ce que ta façon d'être, ta façon de servir Dieu, est-ce que nous recherchons encore l'excellence dans ce que nous faisons? On a l'impression que les gens sont sérieux. Là, je parle aux actifs. Quand c'est un culte de dimanche, là, on a une chorale pleine. On a les protocoles bien habillés. Quand c'est le culte de mercredi, je ne sais pas en quoi est-ce qu'il est moins culte que les autres. Toi-même, tu comptes déjà. Il y a 4 jeudis le mois. On a déjà 2 jeudis. Le reste, on n'a pas allé. Pas de sérieux, pas d'excellence. Mais nous voulons que le monde soit attiré. Comment on va attirer? Tant qu'il n'y a pas ces choses. Je prie au nom de Jésus que Dieu ramène les sérieux dans nos cœurs. Que Dieu ramène cet esprit d'excellence. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, diacre ou ancien pour amener l'excellence dans ce que tu fais. Tu peux être excellent sans titre. J'ai dit, tu peux être excellent sans avoir des titres. Tu peux être excellent sans avoir, je ne sais pas moi, une renommée. Tu peux être excellent dans la petite parcelle que Dieu t'a donnée. Tu peux être excellent. Il y a un homme de Dieu qui donne son témoignage. Un jour, Dieu l'amène dans une grande vision. Il vient comme devant le trône de Dieu. Et c'est un homme de Dieu qui était très puissant. Il faisait beaucoup de miracles. Alors Dieu lui dit, je vais te dire une chose que Oye Baraté, depuis que tu as commencé ton ministère. Alors il lui montre une image, il lui montre une dame qui était dans son église. La dame Moana Abukana Makolo. Et il dit à ce pasteur, c'est à cause de cette dame, de ses prières, que ton ministère est tel qu'il est. Il s'est dit, ah, comment ça? Il dit, c'est à cause d'elle. Donc nous sommes dans un ministère, c'est à cause d'elle. La femme la plus puissante de ton église est là. Quand il est revenu, l'homme de Dieu est revenu de sa vision. Il est allé voir cette dame. Il dit, maman, aujourd'hui, je vais prier pour toi. Tu vas commencer à marcher. Tu ne dois pas rester comme ça. Tu es une grande... La dame lui a dit, ne prie pas pour moi. Il dit, je préfère rester comme ça. Na fan dans la chaise roulante. Parce que quand je suis à cet état, je prie bien, je prie mieux pour l'église et je prie mieux pour toi. Alléluia. Elle n'était pas pasteur. Elle n'avait même pas la capacité de monter sur la chaire. Mais elle était sérieuse dans ce qu'elle faisait. Et grâce à ses prières, l'église était en train d'avancer. Je prie au nom de Jésus que Dieu nous aide à être sérieux. Que Dieu nous aide à être excellents. Recherchons l'excellence. Le culte de mercredi n'est pas à négliger. La réunion de jeudi n'est pas à négliger. Elle n'est pas moindre. Tu n'as pas besoin qu'on commence à payer pour que tu deviennes sérieux. Tu n'as pas besoin qu'on commence, je sais pas moi, à donner un salaire pour être sérieux. Sache qu'à toute œuvre de Dieu est attachée une récompense. Sache qu'à toute œuvre de Dieu est attachée une couronne. Dieu te voit et il te donnera la couronne. Dieu saura évaluer ce que tu es en train de faire, même si les responsables ne te voient pas. Dieu sait évaluer ce que chacun de nous est en train de faire. Et pour chaque travail que tu es en train de faire, selon son modèle, il a attaché une couronne pour toi.
il y a une récompense qui est attachée. Fais bien et tu verras comment Dieu te bénira. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, t'élever là où tu es? Nous avons encore du temps et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. S'il te plaît, sois debout. Sois debout, nous allons prier. La première intention de prière, tu vas demander à Dieu, donne à moi et à l'Église de revivre, de ressentir ces besoins d'annoncer ton évangile. Donne à ton Église ces ailes, ce feu qui brûle dans nos cœurs, nous poussant à annoncer ta parole. Donne-nous de ne point oublier à un moment que nous sommes de Dieu ici sur la terre. Et par nous, tu veux gagner les autres. Est-ce que tu peux prier dans ce sens? Élève ta voix. Commence à prier. Peut-être que toi-même, pendant que tu es en train de prier, tu sais que sentiment on est longwa nango déjà dans mon thème. Sentiment que tu as quoi évangéliser, ezalaka ku touté dans mon thème na yo. Déjà au pesa musala wana na batu mususu. Yo moko ressenta kata besoin wana te. Yo moko mimo nakano atate ke oko évangéliser. Oko gagner pe ata am, oko annoncer pe lilo banzam. Pourquoi lelo zo ebisa nzambe? Azongisa moto wana kati na yo. Moto wana kati na yo. Moto wana kati na yo. Élève ta voix. S'il te plaît, prie bien. Si tu vis encore, c'est parce que Dieu veut gagner des âmes par toi. Qu'il rallume ce feu dans nos cœurs. Que lui seul, Saint-Esprit, nous redonne encore la joie de pouvoir gagner les âmes. La joie de pouvoir gagner les âmes. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Je sais que s'il s'agissait de l'argent, tu allais mieux le faire. Je sais que s'il s'agissait de chasser les démons, tu allais bien le faire. Je sais que s'il s'agissait, tu allais bien le faire. Mais est-ce que tu peux faire aussi mieux le faire pour ceux qui préoccupent le cœur de Dieu? Est-ce que tu peux aussi mieux le faire pour ceux qui préoccupent le cœur de Dieu? Pour ceux qui poussent Dieu à te laisser encore en vie? C'est parce que cet évangile, la Bible est en train de dire, comment croiront-ils si personne ne prêche? C'est par toi que cet évangile doit être prêché. C'est toi qui dois devenir ce pécheur d'homme. C'est toi qui dois devenir en Christ un instrument de puissance entre ses mains, capable d'attirer un plus grand nombre à lui. Yebisanzambe azongi sa sentiment wana, azongi sa esengo wana, azongi sa moto wana. Katia mote manayo, na katia église oyo. Nous voulons être un peuple enragé pour annoncer l'évangile. Un peuple qui est assoiffé d'annoncer l'évangile. Un peuple qui est motivé. Un peuple qui est empressé même pour annoncer l'évangile. Un peuple qui est prêt à se sacrifier pour la cause de Christ. Un peuple qui est prêt à donner le meilleur de lui-même. Parce qu'il ressentant dans son cœur un feu qui ne s'éteint pas. Un feu qui brûle constamment. Le poussant à gagner des âmes, à annoncer l'évangile. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu. À répandre en holikolo na biso. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Répands ces sentiments dans nos cœurs. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Répands ces ailes dans nos cœurs. Les disciples étaient des gens qui avaient un grand zèle pour l'évangile, capables d'être fouettés, capables de subir même des oppressions, mais ne lâchant pas, continuant toujours à gagner des âmes. Bibelo biba beti bango ba bengani bango na mboka o ba ken na mboka mususu, mais si ka ba komi bazo continuer parce que moto wana ba ko ezo bo manate. Pierre un jour ba kangie aibisi batuana il faut na yo ka bino to na yo ka nzam. En d'autres termes, je ne peux pas arrêter ce que je fais
Parce que c'est lui qui m'a donné la mission est plus grande que vous. Bien-aimé, demande à Dieu de répandre cela dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous voulons être un peuple qui annonce ton évangile et qui ressent le besoin de le faire. Dans le nom de Jésus, nous allons prier pour ce deuxième sujet. Demande à Dieu de nous donner la capacité d'annoncer l'évangile. Nous sentons le besoin de le faire, mais nous ne savons pas comment le faire. Voilà pourquoi nous ne savons pas que par notre comportement, les gens peuvent être sauvés. Voilà pourquoi nous négligeons. Voilà pourquoi nous sommes dans toutes les mauvaises choses possibles, alors que nous avons oublié que par nous, le Seigneur peut gagner les âmes. Demande à Dieu de te donner la capacité, de te révéler la méthode, de te révéler les comment, les moyens, par où commencer et comment être ce canal de bénédiction. Élève ta voix, demande cette capacité au Saint-Esprit, demande cette capacité à Dieu, demande cette capacité à Dieu, demande cela au Saint-Esprit, demande cela à Dieu s'il te plaît. Prie le Seigneur, 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 bien-aimé. Yebisanzamba pe sabiso makasi. Tout ce bon de la bonne église. Et ça important, batte à ka sujet mon corps, mais bisonios et leki nango moi mobimbe leki, mais ton sentir à ta tête, capacité on est à quoi annoncer le banzambe. Yebi sanzambe sunga biso, moi oye le kaboete, ane oye le kaboete, na lingi na zala. Canal ya bénédiction na annoncer li lobana yo na comportement nanga na malobana nga na ba conseil na zo pesa batu na tika kozala na kaya batu mabe na kota na kaya batu malamu afin que changement nanga et attirer pe batu mususu pona nga pe na yo kake moto abongoli motema moto atiki masumu moto a changer comportement a cause nanga yi bien aimé yebisa nzambe a pesa makasi wana yebisa nzambe a pesa makasi wana. Prie le Seigneur. Ne te tais pas, s'il te plaît. Que cette force te soit accordée maintenant. Il y a des révélations que Dieu va te donner. Il y a des gens que Dieu a placés devant toi afin que tu leur annonces la parole. Ne laisse pas les gens mourir autour de toi pendant que toi, tu as la parole annoncée. Ne laisse pas les gens être abattus par l'ennemi aussi facilement alors que toi, tu as la parole qui est capable de le sauver. L'important, ce n'est pas que « oba konzimate, oba konzimate ». Le plus important, c'est « yo oloba ». Le plus important, c'est « oh, est-ce que bako yo kanga ? Est-ce que bako yo kate ?» Ça, ce n'est pas important. Le plus important, c'est que toi, tu annonces l'évangile. Même à l'époque de Jésus, ce n'est pas tout le monde qui avait cru en lui, mais ça ne l'a pas empêché de parler. Même à l'époque de Jésus, ce n'est pas tout le monde qui l'avait accepté comme Seigneur, qui l'avait accepté comme le Fils de Dieu, mais cela ne l'avait pas empêché d'être canal de bénédiction pour les autres. Même à l'époque de l'église primitive, ce n'est pas tout le monde qui avait cru à cette église, mais ils n'avaient pas ces disciples-là à arrêter d'annoncer, de parler, d'être des canaux de bénédiction, d'annoncer l'évangile que Dieu nous donne, donne à cette église, à chacun de nous, de vivre, de ressentir, d'avoir la force de parler, d'annoncer, d'influencer, même dans nos entreprises, même là où nous sommes, à n'importe quel moment, que j'ai la capacité de dire, même dans ces problèmes, il n'y a que Jésus qui peut apporter la solution, que j'ai la capacité de partager, d'annoncer la parole de Dieu, que j'ai la capacité de même de chanter chez moi à la maison, mais dans le but de toucher par mes paroles les voisins qui sont à côté, que j'ai la capacité de dire à quelqu'un, moi je ne sais pas prêcher, mais dimanche viens à l'église, moi je ne sais pas prêcher, mais je vais payer pour toi les transports, viens à l'église, bien aimé, tu peux payer même pour quelqu'un les transports. Kakapo ayako kalilo banzambe nzamba pesa ba méthode wana nzamba sunga yo o invité o ebisa moto est-ce que lobby oko yatela na église na biso est-ce que oko kalilo banzambe te ozala capable ya ko sombela mutu bible ozala capable ya ko sala programme il y a partage biblique na moto mais pourvu kaye balilo banzambe bien-aimé na ebi ozana posa mbongo na ebi ozana posa okende poto na ebi ozana posa o vivre mais ni makambo belé mais ni oso wana bien-aimé ezako comparete na oyo yesu azozela et pa na yo ezake à travers na yo lilobana ye panzana lilobana ete à ma partout lilobana ye kota na libota na yo la bible dit crois au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille. Ta famille sera sauvée parce que la parole entrera par toi. Est-ce que tu peux accepter d'être ce canal de bénédiction? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Demande à Dieu de nous donner
à être sérieux et à être excellent dans son œuvre. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. 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 Dis à Dieu, donne-moi ces qualités. Je voudrais avoir toutes ces qualités d'être sérieux dans ton œuvre, d'être excellent dans ce que j'ai fait. Nous les désirons, bien-aimés, nous sommes des lumières, comme l'a dit le Seigneur lui-même. Nous sommes comme des lampes placées sur la montagne. Il faut que quiconque te regarde retrouve en toi les témoignages, trouve en toi les témoignages, identifie en toi le Fils de Dieu. Prie, bien-aimé. Nous voulons désirer ces choses auprès du Seigneur, notre Père. Dis à Dieu, je vais être témoin, je vais être un témoin visible en me voyant marcher, parler, que l'on voie ton nom, qu'on voie ta grâce dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier pour que tout ce qui se passe dans ta vie reflète la gloire de Dieu, reflète l'image de Dieu, reflète l'amour de Dieu, reflète la sainteté de Dieu, reflète l'engagement de Dieu, reflète la puissance de Dieu, reflète l'intelligence de Dieu, reflète la sagesse de Dieu. Je veux être moi-même un témoin. Un témoin, je veux être sérieux dans ce que j'ai fait. Je veux être digne de confiance. Alléluia. Devant toi et devant les hommes, donne-moi des qualités que je n'avais pas. Donne-moi des valeurs que j'avais perdues. Redonne-moi la force que je n'avais jamais, oh Dieu, que j'avais perdue. Dans le nom de Jésus. 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 Remplis tes paroles dans ma bouche. Que je sache parler de toi. Que je sache prier au Dieu. Que j'annonce l'évangile aux autres. Que j'apporte ton nom aux autres. Que j'annonce des témoignages aux autres. Dans le nom de Jésus. Yebisanzambe, dans mes faibles mots, remplis-moi des paroles de sagesse. Dans mes faibles mots, donne-moi l'intelligence. Quand je parlerai de ta part, que l'on voie la sagesse couler. Alléluia. Merci à toi Jésus, merci pour ce moment. Nous te bénissons pour toutes ces prières qui sont adressées à toi et merci de les avoir écoutées. La Bible dit, toi qui écoutes la prière, tout le monde viendra à toi. Nous approchons avec assurance, sachant que toi es le rémunérateur de ce qui t'invoque. Oh Dieu, en ce moment, en ce mois d'évangélisation, nous voulons que l'Esprit Saint continue à travailler, à toucher les cœurs, à annoncer l'Évangile. Lui est capable de parler même sans que nous n'ouvrions la bouche. Mais nous voulons ouvrir nos bouches et l'ouvrir avec toi, Saint-Esprit. Merci pour ce moment. Nous voulons t'offrir, présenter nos offrandes, nos dîmes, nos libéralités, ô Dieu, tout ce que nous t'avions amené, résolu pour t'honorer dans les glorieux et précieux noms de Jésus. Nous avons prié. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Nous allons offrir à Dieu, nous sommes pratiquement à la fin. Que Dieu bénisse son serviteur pour ces moments. Effectivement, quand j'observe, quand je vois, je n'ai pas voulu faire de commentaires, mais je suis quand même interpellé, inquiet au même moment pour que nous revenions dans les bonnes habitudes, aux bons sentiments pour le culte de mercredi parce que nous avons l'impression de perdre les bonnes valeurs. Les cultes n'est pas que le dimanche. Nous sommes là mercredi aussi. Merci à vous qui êtes là. Alors, je crois que le message est passé dans certains forums. Si vous êtes dans un forum de l'Église, nous avons dit, au lieu des dimanches, il semble que les uns les autres apprécient beaucoup les enseignements que nous apportons les dimanches après culte. Dans les cadres de l'école de préparation au mariage, les enseignements sont ouverts même à ceux qui sont mariés, même aux veuves, même aux responsables de famille. Il y a des choses que vous apprenez pour apprendre aux autres. La Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Donc, pour cette semaine, nous n'allons pas le faire les dimanches. Nous le ferons le samedi, c'est à 13h, 14h. Voilà, donc le message est passé dans différents forums. Si vous n'avez pas été informé,
Dites aussi aux autres que nous allons nous retrouver samedi à 14h pour la suite des enseignements que nous avons déjà commencé. Très édifiant, beaucoup sont en train. J'ai eu beaucoup de témoignages, curieusement, en tout cas, beaucoup de témoignages. Certains qui ne sont même pas de la paroisse sont venus. Je ne sais pas qui les a informés, mais ils sont venus. Suivre ces enseignements. Vous êtes de la maison, ils sont informés, ils sont ouverts, pardon, les enseignements. Donc, j'insiste, 14h, nous allons commencer. En ce moment-là, dimanche, nous allons. Ces dimanches, nous n'allons pas rester pour les enseignements parce que nous les ferons, bien entendu, le samedi. C'est la plus grande annonce. Donc, vendredi, nous avons nos églises des maisons. Dimanche, efforçons-nous d'éviter les retards. Comme il a été dit les dimanches passés, les cultes, c'est des 8 heures juste pour tout le monde jusqu'à 10h30, mais pour les serviteurs, c'est 7h30. Nous allons observer cette discipline ces dimanches pour voir comment nous allons nous comporter. Voilà, c'est par ici que nous bouclons la boucle. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous allons nous tenir debout pour la bénédiction finale. Seigneur, merci d'avoir rendu possible cette rencontre de prière convoquée par toi en ta maison. Merci pour la parole que nous avons écoutée, qui nous a interpellés, encouragés, mais aussi et surtout révélé tes desseins. Et merci également pour la prière que tu as entendue. Nous te bénissons pour toutes ces offrandes que tu as agréées. Nous prions pour ceux qui nous ont suivis en ligne, qui partagent la même bénédiction que nous, ceux qui ont été empêchés, que ta grâce soit également sur eux. Que la semaine demeure bénie en ton nom. Nous avons prié dans l'amour de notre Père céleste, la grâce et la paix de Jésus et la communion de l'Esprit. Rentrez en paix au nom de Jésus. Amen. Voilà. Bonsoir chez vous.